Et c'est la suite de Gris. J'espère que vous allez bien. On est reparti. Toujours pareil, hein. Pas de cam. Quasiment pas de commentaires. Tout ça, tout ça.
Yes. Ah mais là j'ai plus les oiseaux. Non là je les ai encore, ok. Ah, attendez. Attendez, je viens de me rappeler un truc là. Un truc que j'ai pas regardé volontairement tout à l'heure. Faut que j'aille voir. C'était là, là. Ici. Ça, là. Relou.
Ok, on peut chanter. Trop bien ça. Bon, du coup, ça fait quoi? Ah! Ah! Ah yes. Ok, bon bah... Pas fini encore. Au secours, j'ai hésité. Au secours, j'ai hésité. Je suis nu en arrière, je suis tombé. Non. Ouais. Non, si, il y a des fleurs là. Donc ça sert peut-être à quelque chose. Yes. Bon, déjà comment je passe là et ensuite ah oui d'accord, c'est un peu plus clair d'un coup. C'est quoi qui a fait Zuit? Thank you.
Est-ce que sous l'eau... Non, je peux pas chanter sous l'eau. Mais est-ce que là, il n'y avait pas un truc, par hasard? Non. Yes. C'est pas où encore. Peut-être par là. Salut. Tu t'en fous. Oh, tu t'arrêtes quand je suis sur toi? D'accord. Eh bien, copine. Ouais non, globalement elle suit mes mouvements, j'ai l'impression. Ok. Bon, il m'en manque encore par contre. Thank you.
Yes, on n'est pas passé du bon côté. Nickel. Il me manque toujours un, je crois. La vraie question, c'est où? Ouais, c'était ça qu'on entendait. Je sens qu'il y a un truc que j'ai pas vu en haut, il me semble. Genre au moment où ça se croise en 4 là. Je crois que j'avais un autre choix. Pas évident en vrai. Je sais pas si je peux vraiment atterrir à gauche là.
Là, je crois que je tourne en rond pour pas grand chose, mais. Le truc, c'est que j'en ai 5 de lumière, je crois. 4 ou 5. Vraiment 5, mais. Il m'en manque une. Yes. On va retourner à gauche. Histoire de vérifier, mais. Après, il y a sûrement un truc que j'ai oublié d'activer avec ma musique. Genre ça. Tout simplement, effectivement, à gauche. Un endroit où j'ai dû débloquer du coup avec mon action de l'eau, j'imagine, sur la plante tout à l'heure.
Donc non, ils nous ont manqué. Hein. Très bien. Bon là, on doit sauter d'abord, je pense. Thank you.
Eh bien. J'avoue, je sais pas trop quoi dire. Pour l'instant, je vais laisser sur le générique. C'était vraiment cool ce jeu. Alors, j'ai conscience que pour le coup c'était pas un let's play. Vous pouvez maintenant charger des chapitres précédents et visiter la galerie dans le menu bonus. Incroyable. C'est pas un let's play au format conventionnel, on va dire. Enfin, ne serait-ce que par rapport à l'absence de cam. Ah, ça y est, l'encodage. L'encodage qui fait ses siennes. Par rapport à l'absence de cam, à très peu de commentaires. Ah ouais, trop bien. D'accord. Bon, du coup, tu dois pouvoir 100% et finir le jeu. On a des artworks sympas. Enfin, finir le jeu, voilà. Finir tous les succès du jeu par ce biais. Mais ouais, non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Finalement, c'est une expérience très, donc, très contemplative, très, très intimiste, quelque part, je trouve. Et c'est vrai que je suis content de l'avoir découvert de cette façon-là, du coup.
ce que ça m'aura permis aussi de me mettre vraiment dans l'ambiance. Alors qu'on voit... À la base, la tenue devait pas être comme ça, du coup. Parce que c'est ce qu'on a l'air de voir, genre là. Bah, et là aussi, d'ailleurs. On voit des nuances sur la couleur sur la tenue. Qui correspondent... Non, ça correspond pas à l'ordre dans lequel on a eu les couleurs, puisqu'on a eu le vert avant le jaune. C'est peut-être une tenue bonus, je ne sais pas. On peut lui faire un câlin à notre copain ou... On n'a pas la features, c'est juste pour les artworks. Mais ouais, je pense que déjà les amoureux de symétrie doivent apprécier ce jeu parce que... Enfin, niveau de l'esthétisme du jeu est incroyable, en fait. Tout simplement. Je trouve le jeu magnifique. Alors que là, on voit une... Ouais, c'est la map en grand, en méga grand, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça, c'est la map. Hein. Je sais pas. Peut-être pas. Parce que je sais plus où on commencerait à ce moment-là, mais... Bon. En tout cas, non, mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Parce qu'on a les différentes musiques du jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est vrai que, bon, bah... Par exemple, là, la fin... Moi, je l'ai vu comme... Le fait de s'accepter soi-même, de se retrouver aussi quelque part, le fait voilà, de continuer à chanter malgré tout, continuer à avancer. Enfin, je vois des métaphores comme ça. Mais je me dis, c'est aussi peut-être mon interprétation que j'en fais, de la vision que j'ai eue en faisant le jeu, du coup, en voilà, de la façon dont j'ai perçu le jeu. Je trouve ça assez beau parce que il n'y a pas vraiment. Enfin, il n'y a pas d'histoire dans le jeu. Mais ça raconte quelque chose. Enfin, ça fait parler, ça fait réfléchir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le jeu au niveau de ces, enfin, voilà, des thématiques qui semblent aborder, sans pour autant être sûr vraiment. Et bon, j'imagine que t'as plusieurs interprétations possibles du jeu, dont certaines qui se rapprochent beaucoup plus des intentions originelles des auteurs que d'autres, mais c'est aussi ça la magie de certains jeux, c'est peu importe finalement que ton interprétation soit la bonne ou non, pour ce que ça t'a fait vivre aussi, ce que ça t'a fait traverser, ce à quoi ça t'a fait penser, etc. Je trouve ça beau, voilà. Et ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Je vais pas m'étendre davantage là-dessus. Voilà, c'est... Bon, c'est vrai que du coup, il y aura vraiment pas eu beaucoup de commentaires sur ce jeu. Mais écoutez, hein, c'est une petite découverte. Une petite découverte immersive, finalement. Et ça change, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, là, je sais pas, dans le gros commentaire... à parler tout le temps, donc je pense pas qu'il y aura de best-of hein, sur ce jeu, mais c'était sympa, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup beaucoup aimé découvrir ce jeu, si jamais vous ne le connaissiez pas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de le découvrir aussi, si jamais vous le connaissiez, bah, j'espère que voilà, vous aurez aimé cette découverte de mon côté, même si voilà, j'aurais pas montré beaucoup ma découverte quelque part finalement, parce que bon bah... Je voudrais réagir un petit peu, notamment avec notre copain, là, le petit rocher, que j'aimais bien. Mais c'est vrai que, bon... Je sais pas, je trouvais cette façon de faire plus adaptée, je l'avais envie. Donc, voilà. Le jeu me donnait pas forcément envie de parler, mais plus juste de me laisser porter. Donc voilà. Bref. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres let's play, d'autres vidéos, et autres joyeusetés. Portez-vous bien. Bye bye.